Quelques colombes blanches lâchées dans le ciel de Saint-Laurent de la Salanque. Et le cortège s'élance, mené par les familles des victimes, fleurs et photos à la main. Arrivés rue Arago, lieu du drame, les proches se recueillent un instant. Anissa et Mohamed sont la femme et le frère de Laraoui, décédés avec 4 autres membres de sa famille, dont les 2 enfants en bas âge. Il nous a rigolé tout le temps, partout où il ouvrait la porte, tout le monde rigolait. Il n'y en a pas un. Ma famille, ils l'ont accepté. Depuis 8 ans, depuis le premier jour que j'ai rencontré, je savais que c'était quelqu'un. C'est des gens qui ont le cœur sur la main, qui ont une belle vie, qui ont vraiment en fait, de la joie dans le cœur. Et c'est tout ce qu'on garde. C'est tout un village qui accompagne les familles. Une foule d'environ 2000 personnes, silencieuse et toujours sous le choc, mais qui tient à être là. Il y a eu trop de victimes, donc la moindre des choses, c'est d'aller là et d'accompagner les familles. Et puis, de se rendre compte qu'on a un village qui est quand même très solidaire. 8 morts, ça fait mal, quoi. Et franchement, il n'y a pas de mots, on n'arrive pas à... Faut pas oublier, quoi. C'est une tragédie de... C'est le prix de tragédie, quoi. Aujourd'hui, c'est l'hommage, on va rendre hommage, et avec cette marche blanche. Mais il faudra, à partir d'un moment... connaître la vérité pour agir sur la cause. Voilà. Présent également le maire de Saint-Laurent. Après une semaine à gérer la crise, il espère que cette marche aidera à avancer. C'est une catastrophe auquel on n'avait pas du tout imaginé. Et aujourd'hui, avec le nombre de décès, on ne peut pas réaliser encore. Il faut qu'on fasse notre deuil. Désormais, seule l'enquête pourra répondre à la question que tout le monde se pose. Quelle est la cause de cette tragédie ?